au japonais Zayu Wesley Fofana. Bon Wesley, on part dans quelques temps au Japon, tous ensemble. Avec Seb, on est là justement pour voir un peu ta culture japonaise. Allez, on va voir ça. D'accord ? Allez, c'est parti. Comment s'appelle ce footballeur japonais devenu célèbre pour ses coups francs magiques ? Alors, réponse A, Shunsuke Nakamura. Réponse B, Ayo Nakamura. C'est le frère de la chanteuse. Réponse C, Hiro Nakamura. Tu reconnais pas sa tête ? Il joue à Tottenham. Tu reconnais, c'est Ice, non ? Franchement, je n'ai aucune idée, donc réponse A, Shunsuke Nakamura. Ouais, c'est lui, c'est bien lui. Tu vois que tu t'en sors. Dans quelle ville Uma Thurman se voit remettre un katana par un maître d'armes japonais. Quel est son nom? Alors, réponse A, Hattori Enzo. Réponse B, Bernardi Laporto. Réponse C, Lewin Kurzawa. Je vais partir sur réponse A, Hattori Enzo. Ouais, bonne réponse. Comment s'appellent les deux jeunes japonais qui ont eu un coup de foudre au match de volleyball dans le dessin animé éponyme? Alors, réponse A, Yohan et Wesley. Réponse B, Jacques et Michel. Réponse C, Jeanne et Serge. Réponse C, Jeanne et Serge. Ouais. C'est un sans faute, hein? C'est un sans faute. Pour l'instant, oui, mais c'est pas facile, je trouve. Mais non, mais ouais. Niveau japonais, c'est là. Bon. Quel rappeur français a le nom d'une arme traditionnelle des ninjas? Réponse A, Kulchen. Réponse B, Orelsan. Réponse C, Shuriken. Réponse D, Francis Lalame. Réponse A, Kulchen. C'est ta première erreur. Je ne le connais absolument pas. C'est Shuriken. Pour quelle raison le carrefour de Shibuya est-il connu mondialement? Non, on rentre dans le dur là. Oui. N'essaye pas de tricher. Ouais. Non, pas du tout. Réponse A, la bière y est moins chère que l'eau. Réponse B, pour ses passages piétons en diagonale. Réponse C, les feux rouges sont si longs que de nombreux automobilistes s'endorment. La B, ça me paraît trop commun. La C, non. Donc on va dire la A, pour les amateurs de bière. Faux, pour ses passages piétons en diagonale. À la gare de Shibuya, cette statue rend hommage à Ashiko, chienne de race Akita, décédée en 1935. Pourquoi est-il devenu célèbre? Ah oui. Réponse A, il a été chef de la première brigade policière canine de Tokyo. Réponse B, il a tendu son maître pendant 10 ans alors qu'il était décédé. Réponse C, il savait détecter les fraudeurs et les attaquer. Je l'ai vu le film, donc réponse B. Champion. Très touchant d'ailleurs. Qu'a été vendu à Tokyo en janvier pour 2,7 millions d'euros? Réponse A, un tableau inédit du peintre Hokusai. Réponse B, un thon rouge de 278 kg. Réponse C, le premier maillot porté par Iniesta au Vissel Kobe. Tu l'as pas vu le film? Ça, c'est marrant. Un tableau inédit? Non. Je me dis pas que c'est un thon rouge. Ben si. Ben c'est pas possible. Qui a acheté ça à 2,7 millions d'euros? De quel dessin animé cette musique est-elle le générique? A, Olive et Tom. B, Jeanne et Serge. C, Goldorak. Ah ouais. C'est pas du tout pareil. Bon, j'ai pas reconnu du tout. Un indice? Je sais pas, ça commence par O. Ouais, c'était ma première option. Réponse A, Olivier Tom. Mais il faudrait m'expliquer la musique française, là. Vous connaissez tous le Tamagotchi. Mais que veut dire le terme Tamago en japonais? A, ovale. C'est pour ça que le championnat japonais s'appelle le Super Tamago. B, œuf. C'est pour ça que l'omelette japonaise s'appelle le Tamagoyaki. Réponse C, animal de compagnie, d'où le nom du célèbre Tamagotchi. C'est chaud quand même ça. T'as des indices là, tu vois pas? C'est ovale et ça ressemble à un œuf. Et t'as un animal de compagnie dedans. Voilà les indices. Ça commence par O. Mais c'est bien, c'est bien. 50-50. Tu veux appeler quelqu'un? Moi je dirais la B. Je dirais B. Ouais, franchement, c'était pas facile. Hein. Ouais. Et ben, ça fait un 18 sur 20. Ouais, c'est bien, t'es un vrai japonais, je pense. Le bac est passé.